Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices, sans la CNews. Nous disons bonjour, bonsoir pour nous tous. Ouvertement débattant, nous avons des nouvelles qui ont fait actualité dans le pays d'Haïti à travers le monde. Ou sur Channel PIA, Channel Information, Channel Motivation, Channel Maman Pemba qui saisit la CNews. Avec Tiffany Goffre, nous checkons le peuple et nous là pour nous porter information qui a fait actualité dans le pays d'Haïti. L'un par l'autre, gagne une nouvelle là, tout beau pas beau, ou sur Channel pour la Channel Information. Et nous saluons tous les amis qui branchent, qui toujours vous message d'encouragement, qui toujours partagent, qui toujours like, qui toujours contribuent dans le travail. Ça nous va bien, suspendre, remercier nous. Et ou même qui a peine rejoint nous, nous bienvenue sur le channel pour là, qui c'est la CNews. Pas oublier, abonner, venez participer, venez faire partie de la grande famille, ça, abonner. Le fin abonner, activer la cloche, mettez nos options pour capable de toute nouvelle, toute actualité. Nous n'a remercier Papa Bon Dieu qui en haut dans le ciel là, qui gagne tout pouvoir. Parce que si nous sommes capables de passer une soirée en bien, côté de vos anges, accompagner nous, et nous sommes capables de lever matin, il faut que nous remercions Papa Bon Dieu, ou même Captain Dim, Cap Gadim là, et il y a des gens qui n'ont pas de chance pour le garder matin, et nous avons tout, et qui n'ont pas de chance pour tendre ça qui a passé, mais grâce avec Dieu qui en haut dans ciel là, ou bien opportunité ça matin, il faut que remercier les grands architectes de l'univers. Si tout, nous vivons dans un monde qui est cruel, un monde qui est vraiment difficile, un monde côté l'homme perdit la foi, côté l'homme perdit l'amour que bon Dieu te voyait, un seul petit, unique, te vine mourir sur le bois du calvaire, cause péché, péché. Et je vous dis, après l'homme dans lui-même, il perdit l'amour, côté l'homme, il n'a pas gagné. Je vous dis, après l'homme dans lui-même, la poignade, yon l'autre compatriote, yon l'autre monde pareil qui gagne même sang, et la vie de cartouche, la tuile dans tout sens. Eh bien, je dis, à ce pari bon dit dans la vous, la vraiment difficile pour nous supporter avec des gens forme bagay qui n'a pas dans le monde ça. Rapide vite côté commissaire du gouvernement lui-même qui t'a parlé côté arrêté plusieurs individus qui t'ont contribué oui qui t'ont participé dans assassinat mettre Montferry d'Oval et bien là côté on met la patte sur yon encore yon l'autre taux criminel encore et bien là yon mette monsieur en barcode nous pas faut suivre commissaire du gouvernement t'a parlé qui t'a font rappelle comment arrestation ça a été arrivé fait amis auditeurs auditrices téléspectateurs téléspectatrices c'est la cause on a le temps de pour plus de détails pour plus d'informations dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Maître Montferry d'Orval, pour une fois, le système judiciaire haïtien est mis à l'épreuve et doit mettre tout en œuvre pour que lumière soit faite autour de ce crime. Nous avons recueilli des témoignages qui nous ont permis de mettre la main au collet du nommé Villepic Dunès. Dans l'après-midi du jeudi 10 à Delma 75. Cette arrestation constitue un pas très important pour l'avancement de l'enquête dans la mesure où nous disposons des éléments d'information qui nous permettent de réaliser qu'il serait impliqué dans l'assassinat de Maître Montferry d'Orval. Et d'autres individus sont activement recherchés par la police. N'a précisé que bon l'autre élément qui est très important dans le cas d'enquête là, c'est le nommé Alex alias Black, qui c'est un bras armé Villepic Dunès, qui t'a un tout dans auteur ou bien présumé auteur matériel. Assassinat Maître d'Orval là, eh bien nous apprendre que le nommé Alex alias Black a été exécuté le lendemain de l'assassinat de Maître d'Orval, soit le 29 août 2020 vers les 8 heures du soir et du côté de Juvena dans une boutique. Et c'est sûr et certain que comme c'était une bras armé Villepic Dunès, eh bien, n'attendait dans le niveau de CPJ et pour nous capables d'élucider
les circonstances dans lesquelles Alex alias Black est tombé, alors que nous dit que c'est à une hauteur matérielle assassinat Maître Dorval, en tout cas une présumé. Et en ce qui a trait aux actes de violence perpétrés au niveau des écoles publiques et privées, nous constatons que des individus mal intentionnés s'amusent à violer l'enceinte des établissements scolaires, en vue de les vandaliser, de brutaliser les élèves et même d'attenter à leur vie. Nous leur rappelons que ces faits sont prévus et punis par la loi et que le parquet mettra l'action publique en mouvement contre tous ces délinquants. Monsieur Villepic Dunès, mais alors, pour le moment, on a auditionné lui au niveau de la DCD. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des informations que la baille. Et l'ité gen droit à travailler en côté, donc c'est lui qui va gagner pour confirmer si oui ou non l'étape travail là. Mais quel que soit côté l'étape travail, même si l'étape travail dans le ciel n'a pas l'étape. Donc c'est ça que nous devons connaître. Donc dans le cas d'enquête, ça, pas de personne que nous avons protégé et pas de personne que nous avons épargné. Et en ce qui a trait au mandat d'amener qui ont été émis à l'encontre de Josué Mérilien et Jean Timanis, bon, bah, c'est que nous sommes en période et pays loc, ensuite en période COVID-19 qui fait que l'école là est pratiquement paralysée pendant toute année scolaire là. Donc, quel que soit mon gain droit, fait passer revendication. Mais il faut qu'on fasse selon les formes prévues par la loi. Automatiquement, qu'on rentre dans commettre des actes de vandalisme, ou rentre dans tirer sur l'élève de l'école, ou rentrer dans attaquer élève l'école, donc là ou vinn pas manifester encore, nous considérons purement et simplement comme monde qui a fait des ordres, pour ne pas dire des délinquants. Et il y a deux monde que la clameur publique dénonçait comme étant les auteurs de ces actes de vandalisme. C'est la clameur publique qui dénonce. La loi prévoit qui ça pour un mandat. Donc, il faut le motif légal. Quel est le motif légal? Vous n'avez pas vu? Non, mais vous dites qu'on sur les réseaux sociaux. Non, mais attention. Donc, mandat, depuis les mettre nécessairement, il faut qu'on motif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commette une infraction. Monsieur le gouvernement, l'important pour nous de savoir, est-ce que c'est confirmé des mandats ont été émis à l'encontre de ces deux messieurs-là, à savoir M. Mérilien et M. Timanis? Et aussi Thierry. Non, je précise que dans le cadre des actes de vandalisme qui ont été perpétrés au niveau de la capitale, il y a des mondes que nous clairement identifiés et nous y mettons mandat d'amener contre eux. Oui. Donc, ça dit là, moi confirmé que nous y mettons mandat d'amener contre Eyouri, Emirinien et Gentiman. Vous êtes journaliste, vous êtes très avisé. Je n'ai pas invité Thierry à se présenter au parquet. M'pas mandé pour le final. J'ai émis un mandat d'amener à son encontre qui a été remis à la police pour exécution. Donc maintenant, on dit que le devine m'a là. Si m'de là et que m'y met un mandat d'amener contre le monde, t'es cap tout kembel. Maintenant, il s'amène, c'est ça le dit, mais m'a tout précisé tout kembel là et que le pagain pour le vine joindre moi. Moi mandé la police pour mener le ban moi. Dans trois premiers monde que n'arrêté yo, le téléphone portable de l'ancien bâtonnier a été retrouvé entre leurs mains. Donc c'est hier que nous avons appréhendé le nommé Villepic Dunès. Mais qui rapport ça gagne avec téléphone là? Mandat folgé non moun nan. Le mandat doit être écrit en créole et en français, il a dit ou non? Folgo motif faut m'écrire dans mon nom, moi faut me signer, faut le sceller et faut que mon texte de loi qui prévoit faire un criminel. Donc vous voyez le motif. Dans Villepic Dunès que nous arrêté là, c'est un élément clé dans dossier. Et c'est ça que fait me fait tout ça dépend de moi pour que m'arrête. M'a rappelé tout que son monde depuis le li au courant que bâtonnier a mouri, nous arrêté Mackender Fizemé
Vilpi Dunès, c'est quelqu'un qui était en fuite. Donc, nous invitons le DCPJ, il n'est pas présenté sous prétexte qu'il était malade. Donc, nous faisons tout ça qui dépend de nous, nous appréhendons. Et je précise que Black, qui a été exécuté le lendemain de l'assassinat de Maître Doval, c'était une bras armée, monsieur. Il faut nous connaître les conditions dans lesquelles Black a été exécuté. Dans le cadre de l'enquête, oui. Voilà, et nous sommes tentés, oui. Nous sommes tentés de mettre Dicamel Gabriel, qui est commissaire du gouvernement Port-au-Prince. Bien là, à côté, il a parlé dans le micro à la presse. Nous sommes tentés de tout ça, sous Dio, et nous-mêmes, nous sommes capables de quitter l'opinion nous, de ça que le commissaire gouvernement saute diamant. C'est non seulement nous besoin de demander justice pour mettre Doval et lui-même qui a perdu la ville brutalement en bas, mais psychopathe, assassinat. Et assassin dans le pays d'Haïti. Bon, et nous souhaitons justice la fête, c'est ça nous tout besoin. Il faut que justice fête, parce que nous avons campé à gade bagaille comme ça. Oui, il faut que justice fête, c'est ça nous tout voulons. Et nous vivons dans le pays, et côté un pays, et côté justice par jamais fin conclu, nous commençons par jamais fini. Et nous souhaitons ça, il faut que l'on conclu. Ah oui, il faut que l'on fini. Et nous saluons toutes les minutes qui branchent dans quatre coins du monde entier. Nous saluons Marie-Jean et qui a écouté nous depuis Canada. Marie-Jean, et merci en pile et merci pour fidélité ou merci pour attention Marie-Jean depuis Canada et merci en pile et oui ah oui m'apprécie ça. Bon, et nous saluons Lancy Baptiste et Marie-Lucie François, Nicole Brivosem qui vivent dans le pays aux États-Unis, Lancy Baptiste aux États-Unis aussi. Nous saluons Batemi par Monti Bateau qui vivent dans pays aux États-Unis. Oh, n'a pas salué tous les abonnés, Jean-Marie Dossinville, Chanel Dossinville et Roseland Charles. Et Chanel Dossinville, pays Mexique, Roseland Charles et Jean-Marie Dossinville, pays aux États-Unis. Et nous saluons tous les abonnés qui branchent l'un par l'autre, qui ont nouvelle la tour ou pas beau, sous Chanel PVA, Chanel Information. Nous saluons tous les abonnés qui ont été abouqués, qui ont été abouqués, dans une pierre. Et nous saluons tous les abonnés Emmanuel Jean-Claude, depuis République Dominicana. Nous saluons tous les abonnés de façon spéciale. L'un par l'autre, qui ont nouvelle la tour ou pas beau, nous saluons Dupé Roy Nico. Nous saluons tous les abonnés. Et nous saluons Rosemary Charles, et nous saluons La Foi et Daldi, nous saluons Yvon Mixan Lobe, nous saluons Tipa Safer, nous saluons tout le monde, Hilaire et Claude, nous saluons Zanvim, nous saluons tous les amis qui branchent dans 4 coins du monde entier, nous saluons Elion, c'est ça, et nous saluons Elitoine, c'est ça, Elitoine, Elinor, nous saluons. Toutes les minutes qui branchent dans 4 coins du monde entier, quel que soit côté ou quel que soit côté ou branché sur planète Terre, ça nous salue tout le monde. Et nous saluons tout. Et Béatrice Floristal, fièrement, qui vit à Santiago de Chili, nous saluons toutes les minutes. Nous saluons Sergo Jean. Et nous saluons toutes les minutes qui branchent, qui connectent ensemble avec nous. Nous saluons Simeis Léonel. Nous saluons les amis. Nous saluons tout le monde qui connectent dans 4 coins du monde entier, quel que soit côté ou branché sur planète Terre, ça tout le monde en anglais. Nous saluons tout le monde. Maïque, quel que soit côté branché sur planète Terre, ça nous salue de façon spéciale. Quel que soit côté branché en Haïti, République Dominicaine, Chili, Brésil, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Suriname, la Dominique, tout le monde qui branché dans les Bahamas, quel que soit côté sur planète Terre, ça aux États-Unis, Canada, la France, quel que soit côté, et nous saluons notre zip zap, bon bagaille, nous saluons tout, quel que soit côté, mes amis, bon Dieu, mais nous pas oublier. Nous avons la retour de Jésus-Christ et Gedaville, nous saluons Gedabouquin et quel que soit couteau, nous saluons tout qui branche dans le monde entier. Ouais. Nous saluons David Joseph. Oui, David Joseph, nous saluons. Pas de problème, même David Joseph, bon bagaille. Et oui. Bon, mes amis, et n'allez, n'a pas compris pour la prochaine vidéo. Et que bon dimanche, nous pas oublier retour de Jésus-Christ est proche. Bon semaine, bon dimanche avec tout le monde. Bon semaine en bas pouvoir le Saint-Esprit de Dieu. Bye bye.